You say hi? Hi. Vous allez voir un jour, c'est Malia qui va ouvrir mes vlogs. Elle va dire hi. Bonjour, aujourd'hui nous sommes lundi. Je vais déposer Malia à la nounou et puis je vais à la salle de sport. Let's go. J'ai fini, je suis en train de rentrer, j'ai acheté des fleurs comme vous avez pu voir parce que mes fleurs actuelles sont mortes et il est déjà midi, c'est incroyable comment ça passe vite. Bon, je rentre, je prends ma douche et on se voit après. Hey pretty mama. Hey pretty baby. Hey pretty. You're so pretty. Je reviens de la salle. Je vais. J'ai oublié d'appuyer. Zéro. Oh, j'ai oublié. Je voulais aller regarder le colis. Je voulais aller regarder les boîtes aux lettres. C'est pas grave, j'irai après quand je vais ressortir. Pour aller chercher Malia, je viens de la réveiller de la salle. Je viens de la réveiller. Donc, je vais jeter la poubelle en fait. Redescends, je te la poubelle, comme ça je vais prendre les colis ou quoi. Bref, j'ai pris ma douche et j'ai fini. J'arrive même pas à parler. Et j'ai fait un petit outfit, un petit look. Donc j'ai remis ça parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Et le bas, c'est un autre jean. Il vient de chez Putchin Tucking, taille 42 pour tous ceux qui m'ont posé la question. Il y a un trou dedans. Bon, je vous montre une vraie photo après. Et de toute façon, je pense que je vais faire un Reels. Pas aujourd'hui parce que je suis pas coiffée, pas maquillée. Mais comme je compte me coiffer demain, je vais faire le Reels demain. Donc je vais me rhabiller pareil juste pour le... De toute façon vous allez le voir. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bonjour. Aujourd'hui nous sommes mardi. Et j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Mais c'est des petites choses que j'ai à faire un peu partout dans la maison. Donc c'est cool. J'ai pas genre à m'asseoir toute la journée éditer ou quoi que ce soit. Je suis pas coiffée tout simplement parce que je dois me défriser les cheveux ce soir. Absolument. Parce que demain j'ai une vidéo média à faire pour une perruque. Et ensuite j'ai un haul à faire, des robes, trop bien, trop contente. Donc demain je vais me réveiller, me maquiller, etc, etc. Bref, faire tout ça. Donc voilà pourquoi ça sert à rien de me coiffer aujourd'hui. Vous voyez dans la vidéo de, des ongles que j'ai fait, les longs ongles et tout à la Cardi B. Et bah du coup dans la vidéo je disais oui, si vous avez des idées, d'autres idées de challenge à faire, que je peux faire et tout, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Il y a tellement de gens qui ont dit ouais, fais un challenge à Armel, tu lui parles pas pendant 24 heures du réveil jusqu'au soir, etc, pour voir sa réaction. J'étais morte de rire parce que j'étais en train de me dire mais vous pensez vraiment que quand on se dispute on fait comment? En plus moi je suis une grosse boudeuse, vous voyez les meufs qui boudent là, mais qui boude vraiment jusqu'à ce que tu viennes t'excuser et que tu implores mon pardon. Ça, c'est moi, ça. Je suis une grosse boudeuse. Donc, franchement, quand on se dispute, moi, je boude. Et je peux faire même 48 heures sans te parler. Et encore là, c'est devenu un peu moins parce que bah on se parle par rapport à Malia. Tu as vu, on n'a pas le choix. Ah, mais je vais te parler que par rapport à Malia. Donc, c'est pour ça que quand je vois dans les commentaires que vous me dites que « Oh, parle pas, Armel, pendant que je suis là, mais en mode... » Est-ce que les gens, s'ils sont même au courant que c'est notre quotidien? Quand on se dispute, comment vous pouvez me demander de faire ça? Mais ça, ce sera normal pour nous. Il va même pas calculer, il va même pas relever que je lui parle pas parce qu'il saura que
Mais j'avoue que voilà, si quand même je me lève et que je lui parle pas, or qu'on s'est pas embrouillé, rien du tout, bien sûr qu'il va dire qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Mais il va faire sa vie. Et il sait très bien que d'ici quelques heures, quand je serai calmée, je le reparlerai. Ou il reviendra me reparler, on en discutera et ça passera, tu vois. Mais c'est tout juste pour vous dire en fait que c'est pas vraiment un challenge que je peux vraiment faire, honnêtement. J'ai même mal au ventre. Non mais ça me fait trop rire les gens qui disent ça. Ah là là, vous savez pas, hein. Quand les couples se disputent là, c'est pas parce qu'on vous montre pas tout sur internet, hein, comme je vous dis toujours. On vous montre pas tout sur internet. Anyway, je vais commencer à faire ce que j'ai à faire. Là, aujourd'hui, j'ai quoi à faire? J'ai sortir les habits d'été. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis du genre que chaque saison, chaque habit. Dans le sens où quand l'hiver arrive, je prends tous les habits d'été, donc les crop tops, etc. Bref, les trucs un peu légers. Je les mets tous dans une valise et je les range. Ou en dessous du lit, bref, dans un rangement. Donc, quand l'été arrive, je range tout ce qui est d'hiver, etc. Les choses que je garde. Parce que honnêtement, en étant créateur de contenu, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on garde parce que bah, quand on nous a déjà vu 10 fois avec, ça a vite tourné. Tu vois ce que je veux dire? Donc on ne porte pas 10 fois la même chose. C'est ça. Soit je les donne à ma famille ou je les mets en vente sur Vinted. Mais bref, j'en ai quand même là-dedans. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais sortir la valise d'été, je vais sortir tous les habits et je vais les ranger dans mon armoire parce que ça y est, l'été arrive, j'espère. Parce que vraiment, si cette météo est encore bipolaire, parce que cette semaine il fait archi beau ici à Toulouse et je pense partout dans la France. Et j'espère pour vous. Du coup, j'espère qu'il va faire beau pendant longtemps parce que j'ai pas envie de ranger mes habits d'hiver et après, ça y est, quoi, le froid il vient. Oui, je sais que je dois acheter une nouvelle caméra parce que je sais pas ce que cette caméra a. La luminosité ne fait que changer. Là, c'est super clair. Après, ça va devenir noir, vous voyez. Pendant que je parle, ça devient noir. Après, ça redevient... Enfin bref, faut vraiment que je change de caméra. Faut que j'investisse. Mais ça coûte genre 800 euros. Donc, je vais investir. Faut juste que je me lève et que je prenne le courage et que j'accepte de claquer 800 euros dans une caméra. Mais je vais le faire parce que j'aime vraiment YouTube. Anyway, donc c'est ce que je vais faire par rapport à ça. Ensuite, j'ai quoi d'autre à faire? J'ai mon tracking de partenariat à faire parce que oui, je sais pas si vous savez, mais... Il faut traquer tes partenariats, il faut faire les factures. Enfin, faut faire les factures, c'est mon agence qui fait les factures maintenant. Mais il faut les traquer dans le sens où est-ce que tu as la bonne facture pour ce partenariat. Parce que voilà, après quand tu déclares, etc., etc., il faut que tu aies tout. Donc voilà, et puis parfois, un partenariat peut te sortir de la tête, tu l'as fait en début du mois dernier, etc. Donc il faut que je fasse le tracking des partenariats. Et surtout, quand je vous ai fait la vidéo sur les liens des influenceuses, etc., etc., vous m'avez donné plein de solutions. Donc là, il faut que je crée mon compte, mon lien Amazon Influence, un truc du genre, parce que du coup, c'était une solution. Comme ça, tous les produits que je vous présenterai d'Amazon, je vais vous les mettre sous ce lien-là et je pourrai gagner des commissions. Après, honnêtement, je vais vous dire les commissions. C'est pas ouf. Je crois que tu gagnes genre 5 centimes par truc. Je sais pas, faut que je m'assieds et je regarde. Mais d'autres que j'avais vus, c'était genre 5 centimes. Il y en a d'autres, c'est 2 centimes. Ça dépend des marques, bien sûr. Mais bref, pour Amazon, faut que je m'assieds et je regarde bien. Mais du coup, faut que je crée ce lien-là. Comme ça, je vais pouvoir... En gros, c'est comme si j'aurais une page sur Amazon avec toutes les listes que j'aurais créées. Genre les affaires de Malia, les affaires de la maison et tout ce que j'ai acheté sur Amazon. Vous aurez les liens dedans. Ce sera vraiment top parce que je vais les mettre dans toutes mes descriptions. Et vous aurez juste à cliquer et à voir tout ce que j'achète sur Amazon que vous me demandez tout le temps, c'est quoi le lien, c'est quoi le lien. Je trouve que c'est une solution équitable pour nous deux, donc pour vous et pour moi, même si c'est 5 centimes par clic, c'est déjà ça que je veux que je te dise, c'est déjà un bon début. Anyway, donc ça, et j'ai ça à faire, et ensuite, avant d'aller chercher Malia, je dois aller à l'Intermarché acheter de la baguette de pain, parce qu'on en a plus, et des haut pour Malia, parce qu'il y en a plus, et je dois éditer un reel ce soir. Donc voilà un peu, j'ai une commande Shein que je dois faire depuis, je fais que repousser l'échéance, c'est pas un partenariat, c'est juste moi qui commande, et je fais que repousser l'échéance, genre en mode, l'argent il doit pas sortir de mon compte, mais d'aller à l'argent sortira de ton compte, tu vas payer comme tout le monde. Mais je sais pas pourquoi est-ce que je dandine comme ça, là, je suis là, hein, je passe la commande, hein, parce que c'est un bon 400 euros de commande. Moi, mes paniers, c'est toujours des paniers lourds. Voici tout ce que j'ai pu sortir de ma valise, vraiment au taquet les habits. Il y en a pas mal que je vais mettre en vente sur une tête ou donner à ma famille parce que il y a plein de choses que j'ai vu que je porte plus. Mais il y en a pas mal que je vais porter. Vous voyez, j'ai encore des étiquettes dessus tellement je les ai jamais portées. Donc après, il fait pas chaud, 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 mais je préfère les avoir dans mon armoire quand même. T'as capté? Ouais, mais ça fait trop longtemps que... Non, je vais mettre tout ça en vente en fait. Je peux même pas les porter. Je les ai depuis des années. Vous en rappelez de cette robe, les gens? Déjà, ça, c'est une robe que j'ai portée quand j'étais enceinte. Mais avant ça, je la portais quand même. Donc, en fait... Oh, si j'avais pas mis un body, je l'aurais essayé. Flemme d'essayer. Mais ouais. Oh, ça fait trop longtemps. Je peux même pas les reporter cet été. Je les ai trop portées. Je vais devoir les mettre de côté. Je vais devoir soit les passer à ma belle-sœur, soit les mettre en vente. Je peux même pas les porter. Franchement, ça fait trop longtemps. Celui-ci, vous en rappelez? J'ai une photo encore dessus sur Instagram, c'est fou, hein. Enfin bref. Ça, c'est pas mal. Ça, je peux le garder parce que tu vois, pour aller à l'église, t'as capté.
ça avec des petits talons pas très hauts et elle est noire, tu vois, ça c'est sobre, je peux le garder. En fait, pour mes manteaux, je vais encore les garder parce que bah, de toute façon j'ai déjà rangé les valises, mais j'aurais dû en mettre quelques-uns dedans. Mais c'est pas grave, je vais les garder parce qu'il fait encore un peu frais. J'attends qu'il fera vraiment chaud chaud chaud. Je vais tous les virer, comme ça ça me fera de la place parce que là, y a pas trop de place quoi. Hein, voilà. Ça je l'ai jamais porté, cette veste. Donc les amis, je suis trop contente parce que j'ai réussi. À partir de maintenant, vous allez avoir le lien, un seul lien Amazon, et vous allez pouvoir voir tous les articles que je vous parle dans toutes mes vidéos qui viennent de chez Amazon, bien évidemment, parce que si ça vient de chez vous, ce ne sera pas sur Amazon. Mais vous allez pouvoir l'avoir, je vais tout le temps le mettre dans ma barre de description. Donc tout ce que ça va faire, c'est regarder dans la barre de description à chaque fois. Ce lien sera permanent parce que c'est un seul lien. Donc j'ai réussi à créer ma page Amazon Influence, c'est comme ça. Donc vous arrivez dessus et vous allez voir tous mes liens. Donc du coup, c'est comme ça. Le plus important, le plus gros, c'est celui de Malia. Donc on clique dessus. Et vous avez toutes les choses dont je vous parle tous les jours. Il y a tellement de gens qui m'ont demandé d'où venait le parc de Malia. Vous avez déjà Amazon, maintenant vous avez le lien. Le trotteur de Malia, c'est pareil. Les chaussons que je lui donne chez la nounou parce que sinon je trouve qu'elle a les pieds froids. Quand je cherchais un siège auto, vous m'avez demandé d'où ça venait. Et voilà. Le nébulisateur, le tout pour sa gorge et tout qui l'a aidé, voilà. Le tout pour nettoyer son nez. Bref, vous avez tout. J'utilise un humidificateur dans sa chambre aussi. D'ailleurs, il faut que je vous en parle. Je vous en ai toujours pas parlé. Mais voilà, j'ai tout mis dedans. Et vous avez aussi dans maison déco, les trucs de mon bureau. Ça, récemment, vous vous en rappelez quand je vous ai montré le nouveau plateau où est-ce que j'ai mis les parfums. Vous voulez le lien, voilà le lien. Là où je suis assise actuellement sur mon bureau, la table et la chaise. Enfin bref, vous avez tout, 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 tout. Je tiens quand même à préciser que je touche une petite commission. Après, je touche pas 50 euros par, à chaque fois que vous achetez quoi que ce soit de chez Amazon. Mais je touche une commission. Elle dépend vraiment. Parfois, ça va être 50 centimes. D'autres, ça va être 1 euro. Parce qu'en fait, ça dépend de chaque article. Ils ont une liste. Honnêtement, j'ai juste vu en pourcentage, je sais pas. Ça dépend de combien coûte l'article, en fait, déjà lui-même. Bref, je pourrais pas trop vous expliquer. Mais en tout cas, sachez que je touche une commission parce que ça, faut que ce soit clair. Et faut pas que ce soit caché ou quoi que ce soit. Donc, j'ai envie d'être claire et honnête avec vous. Donc, voilà, je suis contente même dans le truc de sport. Je vous ai mis plein de trucs. Et j'ai pas fini. Hein, c'est juste, voilà, cette gourde-ci que je vous avais présentée la dernière fois. Bah, voilà, maintenant, vous avez le lien juste ici. La corde à sauter que j'utilise, elle est là. Ça compte les pas. Mais bon, moi, je trouve qu'elle compte pas vraiment les pas. Hein, mais bon, je l'utilise comme corde à sauter. Elle est très bien. Mais vous allez à Action. Et c'est le trop gros. Ça fonctionne très bien. Mon pèse-personne qui te dit exactement combien tu as de... le poids... que tu as, en gros, combien tu pèses, tes os, etc. Bref, vous avez tout. Maintenant, il n'y a plus aucune excuse que vous n'ayez pas les liens. Vous les avez tous ici. Voilà, je suis très contente. J'ai réussi à le faire. Je suis très, très, très contente. J'espère que vous aussi. Donc maintenant, ça se trouvera tout le temps dans la barre de description. Vous avez juste à cliquer. Je vais le rajouter tout de suite dans toutes les barres de description. Voilà ce que j'ai fait sur ma tête. Franchement, j'aime bien. Je pensais que ça allait ressembler à rien, mais ça va, ça passe. J'ai juste fait les baby hair vite fait. Et j'ai... attaché un foulard. Et ça, je l'ai copié chez Winnie parce que je l'avais vu faire. Le petit flow du jour, comme je vous disais. Et là, je suis en train de partir du coup à Intermarché acheter le pain, comme je vous avais dit. Et voilà, parce que il fallait que je prenne du pain. Et les yaourts de Malia, faut pas oublier les yaourts de Malia. Je suis rentrée. Comme je vous ai dit, je suis partie faire les petites courses. J'ai repris du Sportein. Tous ceux qui savent pas c'est quoi le Sportein, c'est des pastilles à sucer, enfin à croquer. Et c'est pour fatigue musculaire, crampes, courbatures. En gros, c'est pour les courbatures de sport. En tout cas, moi, c'est pour ça que je les utilise. Et c'est trop bien parce que c'est ça qui me sauve quand j'ai des courbatures. Et là, je sens que j'en ai des courbatures vu que j'ai commencé à faire la roue. Ça me fait mal partout, au bras et tout. Donc, je préfère commencer à prendre ça parce que vaut mieux prévenir que guérir. Et ouais, j'ai pris des pains. C'est ça les pains que je vous dis qu'on achète. C'est les petites baguettes qu'on met au four. Donc, ma maman aime bien manger ça. Bon, lui plus que moi, mais bon. Whatever. J'ai vu ça, c'était en promotion. Ça coûtait genre 5 euros, je crois. Trop mignon. C'est pour Malia, Pommette. La marque Intermarché. Et du coup, je lui ai pris taille 12 mois, vu qu'elle a 70 cent... 60...
70 cm actuellement, ça c'est 74. Donc 12 mois, c'est pour l'été vu qu'il fait chaud parfois, comme ça elle dormira dedans. Je me suis rendu compte que je n'ai plus de manches courtes pour Malia et l'été arrive. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais d'ici un mois, deux mois quoi. Elle a que des manches longues, donc j'ai pris ça, petit bateau, et c'était en promotion. Et ça m'a coûté 7 € je crois les 3. Donc je lui ai pris 12 mois pour que ça lui aille d'ici le mois prochain et le mois d'après. Et donc voilà, donc j'en ai pris deux. Je vais les enlever, les mettre au sale, parce que je lave toujours les habits de Malé avant de lui porter. Et j'ai pris les yaourts de Malilou. Donc voilà, je vais pas tarder à aller la chercher d'ici une heure. Et ouais, parce qu'elle a les repas du soir, elle a les repas de midi, j'attends tout fini pour pouvoir lui racheter des 8 mois. Et enfin, 9 mois maintenant. Et il manquait que les yaourts. Elle a de la compote encore, si je me rappelle bien, oui. Tant qu'elle finit pas la compote, j'en rachète pas. C'est comme ça que je fais. Quand il finit tout, enfin quand il en reste genre 2-3, je vais en acheter. Comme là, il est out, il en reste 3. Donc je vais l'en acheter. Parce qu'entre temps, ses goûts varient, hein, ma fif. Nous sommes rentrés à la maison. Regardez qui est avec moi. Il dit hi. Mais Malia, ces temps-ci. Ah, j'allais déjà parler parce que. Ah bah. Bref, on est rentré. Du coup, on va se poser. Comme de... Vous connaissez, c'est la petite routine, c'est les moments câlins. La nounou, elle a dû la changer parce qu'elle s'est tachée dans la journée. Donc voilà, et elle a changé. Et je vais détacher ces petits trucs. Demain, elle aura pas de... Je vais pas la coiffer, je vais laisser les cheveux respirer un peu. Et je la recoifferai jeudi. Parce que demain on est mercredi, je la recoifferai jeudi. Donc voilà. Anyway. On va se poser, on va chiller un peu. Pumpkin. Say goodbye. Say goodbye to them. Say goodbye. Donc les amis, c'est le soir. Je sais même plus où je me suis arrêtée. Je crois que je me suis arrêtée quand je suis rentrée avec Malia. Après, son père il est rentré, donc... Je me suis occupée d'elle, on est resté avec elle, et voilà. Donc je sais plus trop ce qui s'est passé. Ah oui, bah oui, je lui ai donné à manger, j'ai pris son bain, et je l'ai mise au lit. Là, elle est avec son père, enfin, il a la caméra du coup, parce qu'elle dort déjà, il est déjà 21 h, parce que je mets Malé au lit à 21 h maintenant, et je vais enfin pouvoir faire mes cheveux, parce que je vous avais dit que je devais les défriser aujourd'hui. Donc c'est ce que je dois faire, parce que demain, vu que je dois mettre une perruque, j'ai pas envie de mettre sous la perruque comme ça. C'est beaucoup trop... comment ça s'appelle? En fait, j'ai trop de repousse à l'intérieur. C'est vraiment, 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 vraiment grave. Say hello. Say hi, mama. Hello. Good morning. Good morning, princess. Bonjour. Nous sommes terriblement en retard. Et c'est de ma faute. Une fois que c'est de ma faute, je vais déposer Malia. Et après, salle de sport. Regardez l'état de ma tête. Elle, au moins, écoute, ça prouve que j'ai bien transpiré. Je suis KO. Allez, je vais prendre ma douche et après, je vous parle. Salut, du coup, je sors de la douche, comme vous pouvez voir. J'ai mis un
Vous savez mes cyclistes que je mets là. Vous vous rappelez la meuf dans les commentaires qui avait dit que... Il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit dans les commentaires que ouais, tu devrais pas porter les cyclistes et que je sais pas quoi. Ou le col, ou le short. Non, mais je me rappelle même plus. Maintenant que je vous ai montré le short, ça me fait penser à elle. Les gens, ils savent pas que je vis dans ça. J'en ai genre 4 en noir et genre 6 en gris. La même chose, la même taille, juste je change tout le temps parce qu'en été, c'est ce que... En été, c'est ce que je porte tout le temps, toute ma vie. Anyway, aujourd'hui, bonjour, nous sommes... Mercredi. Je suis en train d'écouter du Joey Dwight Filet. Tu voulais du temps, alors je te l'ai donné. Bon, bref, anyway, je sais pas chanter, on le sait tous. Je sais pas chanter, je sais pas danser, tout le monde le sait. Anyway, donc on est mercredi. Vous avez vu, j'étais avec Malia le matin, je l'ai déposé. Je suis allée à la salle de sport, je suis rentrée. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire dans ma to-do list. Donc, on va déjà barrer tout ce que j'ai fait. Salle de sport, c'est fait. Je suis rentrée, j'ai pris ma douche. Je dois... Là, je vais d'abord commencer par faire un média d'une perruque courte. Vous allez me voir après, du coup, avec la perruque. Sachez que le lien de cette perruque viendra plus tard, vu que le média arrive. On dirait pas j'ai des abdos. Mais en fait, c'est pas on dirait pas j'ai des abdos. J'ai des abdos. Lol. Ouais. Enfin, bref. It's crazy. Je me rappelle au début d'avril, mon ventre, il était pas du tout comme ça. Et là, aujourd'hui, regardez. C'est fou, hein, comme quoi le sport et l'alimentation... En même temps, je mange un repas par jour, donc j'ai envie de vous dire. C'est normal. Anyway, parenthèse, oui, je me lance des fleurs et tout. Il n'y a pas de souci parce que si je le fais pas, qui le fera pour moi? Nobody. Je vous disais que là, du coup, je vais aller faire un média de la perruque. Vous allez le voir après. Ensuite, je vais maquiller et je vais terminer ce média. Et après ça, j'ai un autre média à faire pour, au cas où vous n'avez pas capté, média, ça veut dire partenariat. Je sais, plus joli et ça fait plus esthétique. Je sais pas pourquoi est-ce que les gens commencent à dire ça maintenant. Du coup, je commence à dire aussi, oui, parce que je suis un mouton. Je suis ce que les gens font, les influenceuses qu'on m'y parle, bah, je parle pareil, hein. Voilà, hein. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est vrai, si. Donc, ensuite, j'ai un média de haul des robes que je vous avais montré dans mon précédent weekly vlog. Que j'ai reçu, du coup je vais le filmer aujourd'hui. Il fait super chaud, je vais sortir le ventilateur, je le sens. Après à 17h je dois accompagner ma voisine à aller déposer sa voiture pour la laver. Et après ça mon mari vient me récupérer, on va prendre Malia et on a rendez-vous chez l'orthoptiste pour les yeux. Vous savez, il y a le rendez-vous, ceux qui ont des enfants, si vous savez, vous savez pas, je vous le dis. Il y a un rendez-vous des 9 mois pour les yeux, pour voir si les yeux de l'enfant tout va bien et tout. Et vu que moi j'ai des lunettes et que ma mère a des lunettes et que mon père a des lunettes et que ma soeur a des lunettes et que le fils de ma soeur a des lunettes, bref, toute ma famille, mon grand-père, ma grand-mère, bah du coup voilà, faut checker. Mais même si t'as pas de lunettes dans ta famille, ils checkent quand même, hein, juste pour s'assurer que tout va bien. J'espère vraiment que Malia a pris les yeux du côté de la famille de mon mari, parce qu'eux ils ont pas du tout de lunettes, alors que moi, chez nous, toute une génération de lunettes. J'espère vraiment qu'elle a pris leurs yeux, parce que les lunettes c'est relou chez les enfants, ils les cassent, ils les perdent, ils les cassent et tout. C'est relou. Anyway, donc voilà, je dois faire ça. Et après, on doit aller avec mon mari au rendez-vous chez l'orthoptiste. Je crois que ça se dit comme ça. Pour Malia. Et après, on doit rentrer. Bref, une journée assez longue. Il est déjà 11h30 et je dois faire tout ça avant 15h50, 16h. Donc, je vais pas trop parler avec vous. Je vais vous montrer des petits clips un peu en accéléré de ce que j'ai fait. La perruque, le make-up et les habits. Et je vous retrouve après. Voici les amis le finishing look, voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez le lien de cette perruque, vous allez le retrouver dans une autre vidéo review que je viens tout juste de faire, je sais pas si ça sera déjà sorti avant ça, mais je pense pas, dans tous les cas ce sera sur ma chaîne YouTube, donc check it out. Donc voilà, donc j'ai fini le premier média que je devais faire, là maintenant j'ai un deuxième, donc les robes à aller faire, il est quelle heure? Je suis dans le timing, il est 13h45, il faut qu'à 14h30, j'ai déjà fini l'autre, mais ça va pas me prendre un temps de fou. Donc je suis contente, mais je suis contente de mon look, j'aime beaucoup le make-up. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, je me maquille maintenant en 2-2 grâce à mes sourcils. J'ai hâte d'aller refaire mes cils parce que flemme de mettre des faux cils. Donc faut que j'aille refaire un à un là, volume russe et tout. Et voilà, j'ai eu des problèmes avec ma caméra, enfin avec ma carte mémoire. Faut vraiment, en fait, faut que je m'arrête à Darty et j'aille dépenser 100€ dans une carte mémoire. Mais j'ai juste pas envie de le faire parce que ça fait mal au cœur. Mais j'aurais pas le choix parce que ma carte mémoire ne fait que bugger et ça me fatigue. Donc bref.
Et j'aime aussi le résultat de mon make-up. I'm slaying, bitches! Ok, let's go. Donc, je vous disais donc que j'étais en train d'essayer pour savoir où est-ce que j'allais tourner la vidéo du haul. Et finalement, je vais le tourner ici parce que je trouve que ça va la luminosité. Et surtout parce que je voulais avoir un grand espace pour pouvoir me reculer, bien montrer les robes. Donc ici, c'est le seul endroit où j'ai les autres pièces. Bref. Anyway, je vous... peut-être je vais vous mettre 2-3 petites robes. Et vous allez voir le reste dans le haul, ok? Elle n'a pas laissé les oreilles en tété. Chez Criminal. Donc les amis, je viens tout juste de finir de tourner le haul. Je suis contente, j'ai fait les deux médias que je devais faire. Et aussi j'ai trop le seum parce que du coup en filmant avec l'autre caméra, enfin en filmant avec l'autre carte mémoire, quand je l'ai exporté, je pensais que j'avais terminé en fait de faire mon haul. Mais en fait non, parce qu'il y a deux fichiers qui ont été compromisés et du coup ça ne s'ouvrait pas du tout. Donc du coup j'ai dû recommencer, refaire le haul. Pas en entier de jeu, merci, mais il me restait genre 2-3 articles à refaire en fait, à refilmer, 2-3 robes. J'avais trop le seum. En fait ça c'est vraiment un signe que Dalia va t'acheter une nouvelle carte mémoire, un nouvel appareil photo. Et arrête en fait, ça me fatigue. Faut vraiment que je m'asseye dessus. Depuis je dis oui, je vais m'en acheter une, mais je tarde vraiment. Mais faut vraiment que je le fasse parce que là c'est plus possible en fait, c'est plus viable cette situation. J'en peux plus de perdre des fichiers comme ça. Ça m'arrive tout le temps, même pour mon anniversaire. La vidéo de mon anniversaire elle est sortie grave en retard sur TeamDL. Tout ça parce que le début, là où mon mari, il... j'ai des petits cheveux, désolé. Là où mon mari il montrait comment est-ce qu'il a fait la pièce et tout, c'était compromisé. Fallait l'emmener à Darty, que Darty l'arrange. Enfin bref. Bref, donc voilà, donc j'ai terminé ça. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais ranger les affaires, je vais faire un Reels avec 2-3 robes et après voilà c'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Là il est 15h, je suis contente, j'ai réussi à tout faire avant 15h comme je voulais. Et parce que je vais bientôt devoir partir avec Sarah. Donc voilà, your girl is tired. J'ai les lentilles, je vais aller enlever les lentilles. I'm cow, I am out. Vraiment journée productive, je suis très contente. Très très contente, salle de sport. Les contenus ont été faits, plus le weekly vlog. Dalia, who are you? Qui es-tu Dalia? Who are you? Bref, je vous laisse. Juste avant de partir, je suis choquée parce que, enfin, je suis contente parce que là, je viens de recevoir un mail, enfin, c'est tombé dans le mail de mon manager, enfin, mon mail et tout de partenariat. Et c'est une grande, enfin, une grande marque, une marque, voilà, que tout le monde connaît. Elle m'a contactée pour faire. I'm screaming. Hey, je sais même pas comment réagir. I'm just so happy. Je suis juste. Oh mon dieu, en fait, juste le fait en fait qu'il me contacte, même si c'est que du gifting, c'est déjà ça, tu vois. Ça veut dire que bah, mon profil est déjà à un certain niveau jusqu'à ce que vous voyez pour faire du gifting, t'as capté? Oh, je suis choquée, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente parce que voilà, c'est que ton travail paye, c'est que tous tes efforts payent, tes sacrifices payent, parce que mine de rien, tout ce que je fais, c'est des sacrifices de fou. Je m'interdis pas mal de choses parce que voilà, je me concentre sur le travail, travail, travail. Ah, je suis juste trop contente, en fait, je suis juste trop contente. Et s'il faut, le partenariat, il n'aura même pas lieu parce qu'on va négocier. Parce que là, mon manager, elle n'a même pas encore ouvert le mail. Donc le temps qu'elle négocie et tout, s'il faut, ça n'aura même pas lieu, qu'ils ne vont pas accepter nos tarifs et tout, tu vois. Mais c'est juste en fait l'idée, le fait que en fait, juste le fait de penser de m'envoyer un mail à moi, Dalia, votre go du quartier. On vient de rentrer avec Mali et ma bibi. Et ma baby, Mali, elle est dans sa phase de caprice. Elle fait plus de bisous, elle fait plus de bisous, elle fait plus de câlins, elle fait plus de sourires. Tu vois, elle me dit t'es une menteuse. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai. En tout cas, tu les fais, tu décides. Hein, Pumpkin? Yes. It's true, isn't it? You choose when you do it now. Or qu'avant, elle faisait des câlins, des bisous, des caresses, des bisous, tout, des sourires. À la guise, tu vois. Or que là, maintenant, c'est vraiment quand elle veut, quoi. Bref, on est rentré. Là, on se pose 30 minutes. Armelle l'arrive. On va au rendez-vous de Maléa. Et voilà. T'arrêtes de téter la langue. Elle tète sa langue. Elle me fatigue. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Donc, là, je suis arrivée. Enfin, on est arrivé au rendez-vous des yeux de Maléa. On a un peu galéré à trouver. Maléa avec son père. Les mangois de naissance. Ouais, c'est eux. Bonjour. On est jeudi aujourd'hui. Il est 9h30. Et je vais pas du tout bien, je me suis réveillée comme vous avez vu, je vous ai montré ma vie vite fait.
Je me suis occupée d'elle. Déjà depuis hier, je me sentais pas bien. Le bruit, c'est le bruit de la lessive. Je viens tout juste de mettre la lessive de Malia. Déjà hier, quand je me suis couchée, je me sentais pas bien. En fait, je me sentais grave faible. J'avais mal partout. Après, c'est le sport aussi, parce que je vais à fond ces temps-ci. Du coup, j'avais mal partout. Les courbatures, j'avais mal à la tête. Et là, ce matin, je me suis réveillée, ça allait toujours pas. Donc, du coup, j'ai préparé Malia, mais elle l'a déposée. Je devais aller à la salle de sport, je suis même pas allée. Parce que je me sens pas bien, je me sens vraiment pas bien. Donc du coup là je me suis forcée à manger, j'ai coupé mon jeûne, il n'y aura pas de jeûne aujourd'hui. Je suis épuisée, j'ai pas très beaucoup d'appétit mais je vais quand même manger, j'ai pas le choix. Et là du coup je me force à manger un petit déj. Ça va pas du tout, je vais rester au lit toute la journée, je vais rien foutre. Je vous montre vite fait, là je suis en train de réorganiser mon armoire à talons parce que j'ai reçu de nouveaux talons. Ça c'est mon armoire à chaussures. Pour tous ceux qui se posent la question, j'ai eu c'est une bibliothèque de base, vous savez, pour mettre les livres. Et je l'ai pris chez Ikea. Et du coup maintenant je l'ai transformé en armoire à chaussures parce que je n'en trouvais pas. Anyway, je dois réorganiser. Celles-là je vais les mettre sur Vinted, les noires. Et je vais voir lesquelles je vais me débarrasser aussi. Et voilà, parce que j'en ai beaucoup trop. Il faut que je les range mieux. Et ici j'en ai déjà une, trop belle. Malheureusement, je peux pas vous passer le lien parce que la collaboration elle a été annulée. Si vous entendez pleurer, c'est Malia parce que son père il est en train de la laver. La collab elle a été annulée, du coup je peux plus poster les liens, mais je vais quand même essayer de trouver un moyen. Donc regardez mes autres prochains weekly vlogs, vous allez peut-être en voir. Pourquoi c'est flou? C'est incroyable, cette qualité elle est vraiment merdique. Donc je vous montre le résultat, comment est-ce que c'est. Je parle un peu fort parce qu'il y a de la musique dans la salle de bain et je veux pas être copyrighted. Donc voilà à quoi est-ce que ça ressemble. J'ai mis les chaussures en haut les plus longues et tous les talons en bas. Voilà. Bon après ici c'est à mon mari, les deux en bas. Et le reste c'est à moi quoi. Voilà. Vous aimez bien? Moi j'aime bien. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui c'est vendredi. On est en retard, je suis en retard pour aller déposer Malia. Et je me sens un peu mieux. Hier je me sentais pas du tout bien. J'ai rien fait, donc voilà pourquoi je vais filmer. Mais là je vais déposer Malia, je me suis forcée à la salle de sport de sortir. Parce que sinon ça ira pas mieux. Bon, je vous parle après. Je vais recoller ma perruque de la dernière fois, sauf que je ne vais pas la recoller complètement. Je vais vous montrer. Parce que ça, c'est quand tu as la flemme de coller toute ta perruque, du coup, tu vas faire ça. Donc, je pourrais, comme vous voyez là, c'est vraiment propre. Je pourrais très bien le laisser comme ça, mais voilà. Je ne vais pas mettre la colle partout. Je vais juste mettre sur les coins, en fait, juste pour que ça tienne là. Et à partir du moment où ça tient ici et là, tout le reste va tenir normalement. Donc, c'est ce que je vais faire. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi. Comme vous avez pu voir, je me sens un peu mieux. Heureusement, je suis allée à la salle parce que heureusement, je me suis forcée à aller à la salle. C'est même pas heureusement, je suis allée à la salle parce que je me suis clairement forcée. Sinon, je pense que je serais restée au lit comme hier. Hier, je me sentais pas bien. Je sais pas du tout ce que j'avais, mais j'étais juste pas bien. Mais j'avais vraiment mal partout, courbatures et tout. Bref, me reposer m'a fait du bien. Comme je vous ai dit, j'ai pas filmé parce que j'ai rien fait. Je suis restée au lit et voilà. Donc aujourd'hui je suis allée à la salle, là je suis rentrée, je vais commencer à éditer parce que la semaine prochaine, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai Malia toute la semaine parce que c'est la nounou, elle est en vacances. Et comme mon mari il a pas pu poser quelques jours aussi, du coup moi j'ai Malia toute la semaine avec nous, donc avec moi. Donc je vais profiter pour éditer vendredi, samedi, dimanche toutes les vidéos que j'ai éditées. Et comme ça après dans la semaine, voilà, je pourrais être plus avec elle parce que bah...
Malia, elle est en âge où c'est plus comme avant à l'ancienne dans mes vlogs où vous voyez que je pouvais la laisser, elle dort, ou elle reste à un endroit, maintenant elle va partout. T'es obligée de la surveiller, je peux plus faire ça. Donc ça va être une semaine où je vais pas travailler. Enfin bref, vous allez voir mon weekly vlog de toute façon de la semaine prochaine, il va être assez fun vu qu'il y aura Malia tout le temps. Pour tous ceux qui n'arrêtent pas de dire que on voit Malia de moins en moins dans tes vlogs, bah, j'espère que vous allez être contents parce que vous allez voir que d'elle. Donc toute la semaine, cette petite, elle va m'en faire baver. Mais bon, j'ai essayé de nous prévoir des petites activités, des petites choses à faire, donc... on verra si ça va pouvoir se réaliser parce que la météo c'est pas trop ça. Donc voilà, donc là qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre. Ah oui, donc je vous ai montré comment est-ce que j'ai fait. J'ai juste collé les pointes quand vous avez la flemme, vous avez pas le temps, collez juste les pointes de vos perruques en bas. Et après en haut on dirait que c'est collé de partout, alors que pas du tout. Donc ça c'est cool, ça c'est top, c'est un petit tips que je voulais vous donner. Ah oui, hier, oh, hier soir, enfin hier toute la soirée et tout, j'ai fait un achat. Enfin un achat, j'ai fait des achats, j'ai dépensé 1000€ les gars hier. 1000€. Demandez-moi dans quoi j'ai dépensé 1000€. Dans quoi Dalia t'a dépensé 1000€? Bah je peux pas vous dire. Je peux pas vous le dire tout simplement parce que vous allez le voir, je vais le recevoir la semaine, donc je vais le recevoir lundi. Non, c'est férié lundi. Non, c'est dimanche qui est férié. Ouais. Donc je vais le recevoir la semaine prochaine. Lundi et ou mardi, et je vais vous montrer dans le prochain weekly vlog. Mais j'ai. Mais bon, c'est quelque chose de nécessaire. J'ai mal au cœur parce que je me dis c'est énormément d'argent. Mais comme quoi vous voyez que l'argent de YouTube, en fait, tu vois, ça va pas dans des caprices ou des trucs pour me faire plaisir, juste moi. C'est quelque chose que j'ai investi pour nous, pour vous et moi. C'est pour vous donner du meilleur contenu. Bref, vous allez voir ça la semaine prochaine de toute façon. Mais j'ai le seum parce que voilà, c'est 1000€ quand même. T'as vu, enfin... J'aurais aimé que ça sorte du compte de quelqu'un d'autre, mais bon, j'ai pas le choix. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Oh mon Dieu, j'ai dû le noter parce que je m'en suis rappelée. Et j'étais là en mode, mais attends... Attends, faut qu'on en parle. Vous savez les gens, ça c'est quelque chose qui m'arrive. Vous savez les gens qui empruntent de l'argent aux gens et c'est en mode, ouais, vas-y tout, tu peux me prêter, je sais pas moi, 100€, 200, 400€, 500€, 1000€. Et ça base, ouais, t'inquiète, je te rends dans 2 semaines ou je te rends le 20, on va dire. Tu sais, ils te donnent une date quand est-ce qu'ils vont te rendre, tu vois. Et toi, tu dis, ouais, bah écoute, si tu vas me le rendre le 20, pourquoi pas, sachant qu'on est le 5. Ok, le 20 arrive, y a personne. Le 25 arrive. Il y a personne. Le 30 arrive, il y a personne. Le 5 du mois prochain arrive, il y a toujours personne. Et ce qui me tue dans cette histoire, c'est que c'est même pas genre ils prennent la peine de venir t'envoyer un message que ouais, vas-y, je sais qu'on est le 20, je t'avais dit que j'allais te les rendre, mais c'est un peu tendu ces temps-ci, tu vois. Donc franchement, je vais pas pouvoir te les rendre tout de suite, mais t'inquiète, dès que j'ai un peu, je te rends, tu vois. Ou même si c'est une grosse somme, admettons c'est 500€, t'as pas. La personne, elle aurait pu venir te voir en disant ouais, vas-y et tout, je vais franchement, j'ai pas les 500€ à te rendre là tout de suite. Mais est-ce que je peux commencer à te les rendre petit à petit? Est-ce que je peux donner 100€ ce mois-ci, 50€ le mois d'après, 100€ dans une semaine? Dès que j'ai un peu, je te rends parce que voilà, c'est chaud sur moi. Quand c'est ça, tu peux accepter. Mais quand tu vois les gens... Vas-y, moi, là, je vais parler des Camerounais parce que franchement, ça me fatigue le comportement des Camerounais comme ça. Fille, garçon, hein. Moi, j'ai déjà prêté fille, garçon et ça s'est toujours trouvé dans le dème. Jusqu'aujourd'hui, on m'a jamais rendu mon argent. Il faut rendre mon argent. Bitch, better have my money. Non, mais franchement, bitch, better have my money. Rendez l'argent des gens que vous empruntez. Ce qui me tue le plus, c'est les gens qui t'empruntent ton argent, te disent t'inquiète, je vais te le rendre, je vais te le rendre. Mais en fait, ils vivent leur meilleure vie dans les snaps et tout. Genre, ça s'achète des nouveaux habits, ça s'achète de nouveaux téléphones, ça s'achète de l'iPhone 13, pendant toi, t'es encore à l'iPhone 8. Mais ton argent, en fait, il est jamais arrivé. Et quand tu demandes, tu oses demander, réclamer ton dû, sachant que de base, tu ne devais même pas avoir à demander, en fait, ou quoi que ce soit. Quand tu oses, genre t'as le culot, parce que d'après eux c'est un culot de venir demander que ouais en fait il est où l'argent que tu dois me rendre, tu vois. Même si c'est 5€, même si c'est 10€, frère, c'est l'argent des gens, tu sais pas ce qu'ils avaient prévu avec, tu vois. Même si c'est 5€, 10€, quand tu oses venir demander, oh là là, c'est bon, je vais pas faire toute une histoire pour ça, c'est bon, t'es pas à 50€ de prêt. What? Attends, je crois qu'on n'a pas bien compris là. What? T'es pas à 50€ près. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu en sais que je suis pas à 50€ de près? Non mais vraiment, ce genre de comportement, il faut m'arrêter ça. Non mais honnêtement, les gens, arrêtez. Vous connaissez pas les poches des gens. S'il faut, la personne, elle l'a prêté, 10€, 20€ et tout. S'il faut, pour moi, 10€, 20€, c'est rien, tu vois. Genre en mode, vas-y, ok, garde-les. Mais il y a des gens, ils tiennent à 10€, 20€. S'il faut, c'est ce qui leur reste pour vivre jusqu'à la fin du mois. T'en sais rien. Les temps difficiles comme ça court là maintenant. Avec le carburant qui a augmenté, avec l'électricité, tout qui a augmenté. On ne trouve même pas l'huile en magasin avec la guerre. Et vous venez dire que t'es pas à 50€ de près. Mais qu'est-ce que t'en sais?
Oh, comment c'est ma hantise, ce genre de gens. Moi, franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oh là là. Ça m'est arrivé plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et en vrai de vrai, j'ai arrêté de prêter. Ça fait des années que je prête pas. Je prête vraiment qu'à ma famille proche maintenant. Donc vraiment, je sais très bien que tu montes, tu descends. Si je prête un jour, je sais pas, moi, à ma soeur, je sais très bien qu'elle va me rendre. Peu importe que ce soit demain ou dans 10 ans, elle me le rendra d'une manière ou d'une autre. Moi, je prête vraiment à mes amis proches, à ma famille proche. Même les amis là, j'évite. Maintenant, il n'y a plus de prête. Non, non, non. Moi, franchement, honnêtement, si j'ai quelque chose, si tu as besoin d'argent et si je peux te le passer, je vais considérer que je te l'ai donné. Ce sera un don, en fait. Donc, en fait, j'ai fait un don. Je te l'ai passé, genre cadeau, tu vois. Mais dire histoire de prêt, prête-moi, je te le prête et attendre. T'es là, tu commences déjà à regarder ton calendrier. Ah, on est le 29, vas-y, elle m'avait dit qu'elle allait me le rendre le 21, sa fille. Est-ce que je peux me permettre de lui envoyer un petit message? En fait, j'aime pas me sentir dans la position où je viens demander quelque chose que tu me dois, en fait. Et après, genre, en mode, c'est moi la relou. Surtout quand j'ai déjà relancé plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois. Moi, j'ai déjà relancé des gens cinq fois pour des 500 euros, des 800 euros. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais reçu. C'était à base de, oh, c'est bon, je vais te les rendre. Oh là là, tu fais comme si c'était un truc de fond. J'ai mal au ventre, pardon, je viens de travailler les abdos à la salle de sport, ne me faites même pas rire. Pardon, comme si c'était un truc de fou, 800 euros, mais vous êtes des malades, c'est mon loyer en fait, 800 euros. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 5 ans. En fait, rendez mon argent, rendez mon argent. En plus, ce qui m'énerve, c'est que quand t'es en déj d'argent, tu commences déjà à calculer dans ta tête qui te doit. Tu dis que, mais attends, tel me doit. Mais vas-y, vas-y. Non, mais je sais que je retrouverai jamais mon argent. De toute façon, hey, comme je me suis dit, je considère que j'ai fait don à un lépreux, tu vois, aux gens à qui, voilà, en plus aujourd'hui, on n'est plus du tout en contact. Vas-y, bien sûr, ils vont jamais me le rendre, ils vont jamais toquer à ma porte que, ah, Dalia, tu t'en rappelles, en 2016, tu m'avais passé 800 euros. Franchement, je sais que ça date, mais vas-y, tiens tes 800 euros. Ouais, jamais. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, je tiens pas l'argent dans ma main. Moi, je vois quelqu'un, mes proches qui sont en galère. En vrai de vrai, les gens à qui j'ai prêté, c'était des proches à moi, donc des amis, et c'était aussi des ex, tu vois. En fait, je peux pas voir la personne avec qui je suis être dans le besoin et pas aider. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été celle qui m'en sort plutôt bien avec les chiffres, dans le sens où Dieu m'a donné vraiment la sagesse, j'aimerais me dire que c'est une sagesse, et la capacité de savoir économiser de l'argent. Donc ça veut dire que je dépense pas sans compter. Même quand vous me voyez acheter des trucs et tout, vous allez dire, ah ouais, Dalia dépense beaucoup et tout, non, non, non. Tous mes dépenses sont calculées, tous mes moves sont calculés. Après, je pense aussi que c'est mon côté bami qui fait en sorte que tu connais. On a connu la galère, donc quand t'as un peu, tu le tiens, tu vois. Donc en fait, tu sais comment économiser. Tu te dis pas que ah, je vais aller tout claquer. Ouhou, vive la belle vie. On ne vit qu'une fois, on verra demain. Non. Et vous pouvez vous dire que ah, c'est parce que t'es mariée, t'as un enfant, maintenant t'es posée, que tu fais comme ça. Non, j'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais pas du tout mariée, même quand j'avais 17 ans, 16 ans, ma mère, elle nous a en fait toujours appris à tenir l'argent, ma soeur et moi. Donc dans notre famille, en tout cas avec ma mère, ça a toujours été ok, t'as gagné 1500 euros, claque pas les 1500 euros, mets de côté, mets plus de la moitié de côté, mets 1000 euros, claque 500 euros si tu veux, tu vois. Même quand on vivait sous son toit, c'était toujours à base de mets de l'argent de côté comme si tu pouvais payer un loyer, me le donne pas à moi, c'est ce qu'elle disait ma mère, me le donne pas à moi, mais mets comme si tu payais un loyer, tes charges, donc 800, 900 euros, comme ça demain quand tu sortiras de la maison, tu te sentiras pas une différence genre en mode de lifestyle, tu vois, quand tu gagneras toujours tes 1500 euros, tu te sentiras pas que, ah merde, j'ai un 900 euros de loyer à payer, comment est-ce que je vais m'en sortir avec seulement 600 euros qui restent à la fin du mois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, vous avez capté. Donc elle nous a toujours appris ça et franchement, Dieu merci ma mère, parce que je vois très bien beaucoup de gens que j'ai dû connaître dans ma vie qui galèrent et tout niveau finances parce qu'ils savent pas gérer, tu vois. Franchement, quand tu gères bien tes finances, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous pensez que je gagne des millions. Bon, peut-être pas des millions, mais que genre je suis aisée, je suis riche et tout. Si vous saviez combien je gagne et comment je jongle, comment est-ce que je fais pour m'en sortir, etc., vous comprenez en fait que, mais en fait, pas du tout, Dalia gagne comme tout le monde et c'est juste en fait qu'elle est beaucoup plus stratégique et plus maligne, tu vois. Sans me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, j'ai vraiment une bonne façon de gérer mes trucs. Genre, en fait, il n'y a pas un centime qui part sans que je le sache. Combien de personnes autour de vous ou même vous-même, vous ne savez pas qu'est-ce qui passe dans vos comptes tous les mois, comme dépenses, comme vous savez les trucs, les abonnements là, genre Netflix, la carte SNCF, de la RATP, le 150 euros de carburant ou le crédit voiture, le crédit l'électricité, bref tout ça, tu vois. Combien d'entre vous ne savent même pas ce qui passe? Vous savez pas tout ce qui sort dans votre de vos comptes en banque, et je parle de vos divers comptes en banque. Tandis que moi, je sais tout ce qui sort de mon compte. Je sais ce qui rentre et je sais ce qui sort. Et j'ai toujours plus qui rentre que plus qui ne sort. Ou j'ai exactement le même montant. S'il y a, je sais pas moi, 1300 euros de prélèvement, j'ai 1300 euros de trucs. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas 1301 euros en fait. C'est pour vous dire en fait que je suis vraiment au millimètre près. Et c'est pas genre être chiche ou quoi que ce soit parce que je me fais plaisir à mes proches et tout ce qui va avec, tu vois. Sans souci. Mais
C'est ça le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est la finance. Et de nos jours, si tu fais pas attention à tes finances, si tu sais pas les gérer, surtout si tu sais pas ce qui sort, tu es dans la merde. Combien de gens autour de moi, je connais qui ils ont continué à être prélevés pendant 6 mois, un abonnement qu'ils avaient pris il y a 6 mois, ils ne savaient même pas qu'ils étaient encore prélevés des 39,90€, des 29€, des 19€, des 15€, des 5€. Vous savez, les abonnements que tu prends 4,90€ pour Apple TV, que tu ne regardes jamais Apple TV parce qu'on regarde toute Netflix ou Amazon Prime. Combien passe tous les mois et ça fait 6 mois, 7 mois que tu ne l'as pas résilié? À chaque fois, tu te dis, ah, faut que je résilie, mais tu ne sais pas. Tout ça, 5€ tous les mois, ça fait beaucoup à la fin. Faites attention, gérez bien vos finances, surtout les filles, apprenez à les gérer, même si vous êtes dans une relation et que c'est le mec qui gère tout, apprenez. Ne laissez jamais quelqu'un tout gérer pour vous, surtout pas les finances, surtout pas. Dans votre maison, si vous pouvez même mettre celle qui gère tout, gérez. Bref, je pourrais en parler toute la journée, mais je pense que, je sais pas si on peut faire une vidéo dessus, je sais pas. Que je montre exactement comment... Peut-être, hein. Ah, peut-être, c'est une bonne idée. Dites-moi dans les commentaires combien vous êtes qui êtes intéressés pour voir comment gérer les finances et tout. Après, je sais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais apporter. Parce que je trouve que c'est tellement... En fait, pour moi, c'est tellement simple et logique que je me dis, mais Dalia, qu'est-ce que tu vas vraiment leur apporter comme plus-value dans ça, tu vois. Pour moi, c'est logique. Enfin, je sais pas, tu vis pas plus qu'au-dessus de tes moyens, tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref. On pourrait en discuter, y'a pas de soucis, on pourrait faire ça, ou peut-être même un live sur Instagram, ou juste une vidéo YouTube, je sais pas, on verra, dans les commentaires, dites-moi si vous serez intéressé. Je me suis un peu dérivée de ce que je disais au début, mais bon, ça en rapport. Yo les amis, je fais une petite pause. Il est déjà 16h. Oh, j'ai mal partout. J'ai vraiment des courbatures. Là, c'est peut-être une heure plus tard, j'ai fini d'éditer une vidéo et je suis en train de commencer la deuxième. Sachant que j'en ai 3 éditées. Anyway, le weekly vlog, les cours, c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine. Il sera beaucoup plus long parce que Malia sera là, donc vous allez être contents. Anyway, donc c'est la fin du weekly vlog parce que bah là, en fait, j'ai plus rien à faire. Il me reste juste à éditer. Je vais passer ma journée à éditer. Armali va aller chercher Malia. Et après, je vais passer ma journée à éditer. Enfin, je veux continuer à éditer. Donc, en soi, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Donc, voilà. Dans tous les cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, dites-moi quel a été votre moment préféré de ce weekly vlog, si vous en avez eu. Et likez à fond. Comme vous savez, 2000 likes pour pouvoir avoir le prochain weekly vlog. You already know it. Donc, voilà. Et abonnez-vous. Vous êtes grave nombreux à regarder les vidéos, mais pas pourquoi vous abonner. Abonnez-vous. Ça m'aide, ça m'encourage, ça me fait... Voilà, quoi. Abonnez-vous. Anyway, dans tous les cas, merci beaucoup d'être toujours là et de toujours me soutenir. Merci du fond du cœur parce que franchement, sans vous, je serais pas là et je serais pas ici, quoi. Donc voilà, merci. Et on se retrouve pour une autre fois pour une autre vidéo. Bye bye.